Ce récit de bagarre, entendu à Babelwed, est reproduit mot à mot. Le narrateur n'y parle pas toujours la langue du Cagayus de Musette, que l'on ne s'étonne pas. La langue de Cagayus est surtout une langue littéraire. Enfin, je veux dire, une reconstruction. Les gens du milieu ne parlent pas toujours argot. Ils emploient des mots d'argot, ce qui est différent. L'Algérois use d'un vocabulaire typique et d'une syntaxe spéciale. Mais c'est par leur introduction dans la langue française que ces créations trouvent leur saveur. Alors Coco, il s'avance et lui dit « Arrête un peu, hein ? Arrête !» Alors il lui dit « Et quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Alors Coco, il lui dit « Je vais te donner des coups !» Comment ? À moi, tu vas donner des coups ? Alors il met la main derrière. Alors Coco, il lui dit comme ça. Mais pas la main derrière, hein ? Parce qu'après, je te chope le 6,35 et tu mangeras des coups quand même. L'autre dit... Il a pas mis la main. Alors Coco, rien qu'un lui a donné. L'autre, il était par terre là. Alors le monde, il est venu. La bagarre, elle a commencé. Il y en a un qui s'est avancé à Coco, deux, trois. Alors moi, j'ai dit, dis-toi, tu vas toucher à mon frère. T'as dit ton frère. Ah, si c'est pas mon frère, c'est quand mon frère est coulo. Alors j'ai nommé un tapis. Et Coco, il tapait. Moi, je tapais, Lucien tapait, tout le monde tapait. Moi, si j'en avais pris un là dans le coin, comme ça, et avec la tête là, boum, 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 boum. Alors les agents, ils sont venus. Ils nous ont mis les chaînes, dis. Les chaînes. Ils nous ont mis. La honte à la figure, j'avais de traverser tout Babelwed. Que le derrière, il m'entende si je mens. Devant le gentleman's bar, il y avait des copains et des petits, dis. La honte à la figure, j'avais.